Bonsoir mon pays. Observons tout d'abord cette courbe, ce pic du nombre de cas traduit l'intensité et la vitesse à laquelle le virus se propage au pays. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. En quelques jours, de 3 cas, le compteur affiche désormais 565 personnes positives à la Covid. Le virus circule très rapidement à tel point que le gouvernement a restreint le nombre de commerces autorisés à ouvrir pendant le confinement. Il faut désormais s'adapter à la situation. Est-ce que les règles de circulation sont respectées durant cette journée dominicale, jour de détente ou de sortie pour la plupart d'entre nous? Réponse dans cette édition. Et enfin, une crise qui paralyse également le secteur agricole. Le jardin calédonien est l'une des plus grandes exploitations agricoles du pays. Elle subit une nette diminution de ses commandes. Nous évoquerons le sujet avec Yannick Couette, directeur de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, en direct de nos bureaux de Nouméa. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Au total, 565 personnes ont contracté la Covid depuis lundi. Le virus circule très rapidement en Nouvelle-Calédonie, à tel point que le gouvernement a décidé de restreindre le nombre de commerces ouverts pendant le confinement. Le point avec Stéphanie Marly. 300 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés hier par test PCR et test antigénique, ce qui porte à 565 le nombre de cas depuis lundi. Dorénavant, les tests antigéniques positifs seront comptabilisés comme des cas avérés positifs. 50 personnes sont hospitalisées à l'unité Covid-19 du Medipôle et 6 personnes sont en réanimation, soit 2 de plus que samedi. Face à la vitesse de propagation du virus en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a décidé de durcir les règles de confinement. Ainsi, la liste des commerces autorisés à recevoir du public sera restreinte à compter de ce soir à minuit. Les commerces suivants ne sont plus ouverts au public. Les commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériel et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé. Les commerces de détail d'équipements de l'information et de la communication. Les commerces de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels et de réparation de biens personnels et domestiques, d'équipements et de communications. Les commerces de détail de matériel de télécommunication en magasins spécialisés. Les commerces de détail de journaux et papeterie en magasins spécialisés. Les commerces d'équipements automobiles et de pièces détachées agricoles. Les lieux de location de voitures et de machines, les agences de travail temporaire. Il convient de préciser que ces commerces, comme tous les autres commerces, peuvent continuer leur activité sur la base exclusivement de retrait de commandes ou de livraison. Autre mesure annoncée lors du point presse du jour, afin de limiter les risques de cas contact dans les magasins multicommerces, l'accès à certains rayons sera interdit. Le prolongement du confinement dépendra de l'efficacité des mesures prises ce jour. Des cas de Covid-19 ont été également détectés au campus universitaire parmi les étudiants et leurs encadrants. Alors comment les étudiants accueillent la nouvelle et vivent ce confinement à Nouville? Un reportage d'Océane Dacunia. Le silence règne à Nouville. Peu d'étudiants avaient déjà choisi la semaine dernière de rester à l'annonce du confinement. Mais la découverte de plusieurs cas de Covid sur le campus a provoqué une autre vague de départ. Les derniers étudiants restés sur place ne sont pas rassurés. Tout le monde, on ne sort plus là depuis qu'il y a eu un cas contact. Là. Ça s'est bien calmé en fait. C'est sûr qu'on panique un peu. On se dit punaise, peut-être que je suis un cas potentiellement contact ou voilà. C'est sûr qu'on prend un peu plus les choses au sérieux et puis on prend un peu plus ce confinement au sérieux, on reste plus chez soi, voilà. Au cas où, moi aussi, je fais partie de ces étudiants là qui ont été en contact avec ces étudiants qui ont été cas du Covid. Et on avait peur. Enfin, moi, j'ai peur.
Chacun reste maintenant rigoureusement confiné. C'est notre caméra qui les a réunis dans les jardins. Sinon, avant, il y avait un peu de gens qui sortaient, jouaient au volley. La cafette aussi, elle était ouverte. Alors, En ce moment, c'est calme. Et voilà. Et pour ceux qui étudient, ça permet aussi de mieux se concentrer sur leurs cours. Pour ceux qui s'ennuient, c'est moins drôle. Malgré l'ambiance mortifère, pourquoi ont-ils choisi de rester confinés à Nouville ? On a plus de connexions ici, du coup, c'est bon pour suivre les cours sur Pronote, parce que pour ma part, c'est sur Pronote. Et puis voilà, avoir accès à Internet surtout. On est en pleine préparation pour le CAPES. Et du coup, on est obligé de consulter toujours les cours en ligne. Alors là, je suis en pleine recherche d'une entreprise pour une alternance. Du coup, je fais des lettres de motivation et c'est un peu dur en fait. Hein. Du coup, j'attends des réponses. À bon entendeur parmi les entrepreneurs. Aux îles Loyauté, la petite île de Tocanode n'est pas épargnée après la détection d'un premier cas de Covid sur Tiga. La province des îles et la commune de Lifou ont dépêché via le Yeneïch infirmier, médecin et du matériel sur place. Le reportage dans Enailolo. Ce sont quelques marchandises qui sont arrivées à Tiga ce matin, allant du produit alimentaire jusqu'à l'eau potable qui vient à manquer sur l'île, à l'exemple de cette citerne d'eau presque épuisée. Deux médecins et trois infirmiers étaient aussi du voyage avec des missions bien définies sur place, dépister et vacciner. Et je vous invite surtout à réfléchir pour vous, mais aussi à réfléchir pour la collectivité. Plus vous êtes vaccinés dans votre collectivité, et plus le vaccin, plus le Covid va moins circuler et moins il y aura de personnes hospitalisées ou de personnes graves. C'était une journée quand même positive au niveau de la tournée, au niveau des informations qui ont été données. Toujours est-il que ici à Tiga, moi je ne dispose pas de médecin. Je n'ai qu'un lit d'hospitalisation et deux bouteilles d'oxygène. Je n'ai pas de médecin. D'où la nécessité de faire une campagne de vaccination ici, ce qui a été déjà fait. Et encore une fois, respecter les gestes barrières, rester chez vous, rester confiné. Aujourd'hui, sur la centaine de personnes vivant sur l'île, 41 personnes sont vaccinées. 10 tests antigéniques se sont révélés négatifs. Le reste de la population peut toujours effectuer des tests et se faire vacciner au dispensaire de Tiga. Voilà, c'était un reportage réalisé avec des images amateurs. Pendant que certains Calédoniens se faisaient vacciner, aujourd'hui, le premier week-end de confinement, le dimanche, c'est jour de sortie, poulet rôti ou encore promenade, mais pas cette fois. Est-ce que les Calédoniens se sont adaptés? Est-ce que les règles de circulation sont respectées? Un reportage d'Antoine Reis et Cédric Thier. En ce premier dimanche du troisième confinement depuis le début de la crise sanitaire, les commerces de la zone Koné-Pointe-Bout ont maintenu leur activité comme ici dans un magasin de Koné. Là, le début de la semaine, ça a vraiment ralenti. Parce qu'il y en a qui font leurs courses le matin, souvent, et ils aimeraient plus tranquille l'après-midi. Alors donc, ils viennent l'après-midi, en fin d'après-midi. Voilà. Les gestes barrières respectés du mieux possible, les clients ont continué à venir s'approvisionner de produits essentiellement de première nécessité. Même Cédric, en cette période difficile, est tout de même venu proposer ses poulets rôtis. Mais on peut voir qu'il y a une baisse de la fréquentation. Et j'ai prévu un peu le coup. Et j'ai fait beaucoup moins que d'habitude. Heureusement d'ailleurs, parce que c'était un peu juste. J'espère que le week-end prochain, il y aura un peu plus de personnes, un peu plus de monde quoi, qui va venir. Surtout essayer de satisfaire tous nos clients fidèles et dévoués. Voilà. Le poulet du dimanche, c'est sacré. Ah oui, c'est pas parce que c'est difficile en ce moment qu'il faut se priver de ces quelques trucs là. Ouais. Non, puis c'est important de pouvoir soutenir les sociétés qui tournent là. Donc non, il faut qu'on tienne le coup et puis il faut aussi qu'on garde le moral. Allez, bon dimanche.
Un dimanche que nous pourrions qualifier presque de normal, hormis le fait que le terme Covid-free est révolu et qu'il va falloir dorénavant apprendre à vivre avec la Covid un certain moment. Voilà, c'est une crise qui paralyse également le secteur agricole. Le Jardin Calédonien est l'une des plus grandes exploitations agricoles du pays. Elle subit une nette diminution de ses commandes habituelles. Les précisions de Mara Lurde dans l'œil de la rédaction. Donc voilà des salades qui sont au stade de maturation idéal, qu'il faut récolter aujourd'hui au plus tard demain. Et si elles ne sont pas, si on ne trouve pas acheteurs, eh bien elles seront malheureusement jetées. Grossistes, restaurants, cantines scolaires sont les gros clients habituels du Jardin Calédonien. Les produits agricoles étant très périssables, une baisse des commandes entraîne automatiquement une perte brute de la production. Entre jeudi et vendredi dernier, on a jeté 700 kg de salade et 300 kg de chouchine. On a vraiment un ralentissement très très net de la part de nos clients qui nous disent écoutez, non, nos chambres froides sont pleines, donc on ne vous commande pas. Au niveau du point de vente sur l'exploitation, même constat. Les clients se font rares. Il semblerait que les gens aient beaucoup plus peur cette fois-ci que les deux précédents confinements. Donc effectivement, on le ressent, on le voit. Et d'ailleurs, on se pose des questions de savoir comment effectivement écouler nos marchandises. Donc là, nous sommes devant les fraises. Et donc vous voyez, hein, des fraises bien mûres. Et donc elles vont être récoltées soit cet après-midi, soit demain matin. Et ensuite, il faut qu'elles soient dans la journée vendues, sinon elles seront également jetées parce que ça se garde très très peu de temps. Sur place, un lieu aéré, ouvert, un accès limité à 8 personnes et du gel hydroalcoolique à disposition. Les mesures permettant de limiter la transmission du virus sont appliquées. Mais les clients ne sont pas toujours rassurés. Je fais attention à ne pas croiser personne et puis surtout... De respecter les règles, quoi, les distanciations et tout ça. L'avenir dira si l'envie de consommer frais et local poussera les Calédoniens à revenir s'approvisionner, en respectant les gestes barrières, bien sûr. En attendant, l'entreprise est dans l'incertitude. Il y aura certainement un impact sur notre activité propre économique, quoi, avec peut-être des incidences sur le personnel ou sur nos approvisionnements, on ne sait pas. Et pour aller plus loin ce soir, nous sommes avec Yannick Kouat, directeur de la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie, en direct de nos bureaux de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après les intempéries en début d'année, le risque de retour de la Niña, le secteur agricole fait face aujourd'hui au troisième confinement. Alors, est-ce que les producteurs rencontrent aujourd'hui des difficultés à écouler leur production ? Oui, tout d'abord, les producteurs déjà ont été fortement marqués par une année très difficile en début d'année avec les incidents climatiques. Et aujourd'hui, nous sommes en une période de pleine production, contrairement aux deux anciens confinements. Et les agriculteurs ont de grandes difficultés à écouler leurs marchandises. Et l'exemple du jardin calédonien est assez révélateur, mais les jardins calédoniens, en plus, a la possibilité de faire de la vente directe. Ils sont organisés, bon, ils font des gros volumes. Ils perdent beaucoup de marchandises, mais c'est le cas de la plupart des agriculteurs. Et certains agriculteurs sont en très grande difficulté dans le sens où ils n'ont que les marchés pour écouler leurs marchandises. Et là, c'est un vrai souci. On sait que certains magasins sont actuellement encore ouverts. Est-ce que vous rencontrez notamment des difficultés dans la production auprès des grandes surfaces également ? Le marché a complètement été chamboulé puisque tout s'est concentré sur... les magasins et la grande distribution qui ont une clientèle particulière qui est habituelle. Or, il y a tous les autres champs de consommation des produits agricoles. Une partie n'existe plus, la restauration hors foyer, les cantines, la restauration qui est très limitée maintenant. Mais il y a un champ qu'on a fermé un peu là, malheureusement. Et nous, Chambre d'agriculture, nous avons demandé au gouvernement s'il était possible de rouvrir les marchés sous condition de respecter les distanciations sociales et les gestes barrières, bien évidemment, dans des conditions sécurisées. Mais l'ouverture des marchés nous semble indispensable pour une bonne partie des producteurs qui n'ont que ça pour écouler leurs marchandises. Alors, est-ce que la situation est identique pour tous les agriculteurs ? On sait qu'il y a également les tout petits agriculteurs.
Alors non, la situation n'est pas identique selon tous les agriculteurs. Certains agriculteurs, peut-être les plus structurés, ont l'habitude de vendre sur le marché de gros, les grossistes, les centrales d'achat. Ces producteurs-là, la demande est... globalement, je pense qu'ils arrivent à peu près à écouler leurs marchandises. Mais il y a tout un pan d'agriculteurs, les petits notamment, des gens qui sont éloignés des centres de commercialisation, qui vont sur les marchés et qui ont des circuits de commercialisation différents. Et là, de fait, la fermeture des marchés, qui sont des circuits courts, pose un réel problème d'écoulement de la production et de l'alimentation de la population. Et c'est pour ça qu'en ce sens que nous, par exemple, au marché Broussard du samedi matin, mais Moselle aussi, on pense à Moselle, dans la zone Nouméa, mais il y a toute la Calédonie, hein, qu'il ne faut pas oublier. Nous demandons vraiment au gouvernement à ce qu'il puisse revoir son autorisation qui nous autorise à ouvrir les marchés de façon à pouvoir justement donner ce bol d'air et pouvoir écouler, parce que les producteurs sont sur le pont, on va dire, et ils produisent pour nourrir les Calédoniens. Et là, c'est vrai que c'est très difficile à accepter de voir de la marchandise perdue, détruite, et qui ne peut pas être écoulée, alors que finalement, il y a une demande, certes, qui s'est déplacée, mais on pourrait trouver le consommateur sur certains circuits. Alors justement, vous demandez l'autorisation de pouvoir reprendre l'ouverture des marchés aux autorités. La situation est un peu grave en ce moment. Est-ce que vous pouvez garantir la sécurité sanitaire pour les exposants, mais aussi pour les clients ? Alors évidemment, la situation qu'on connaît aujourd'hui est dramatique. On ne sait pas où on va. Il y a beaucoup de craintes, évidemment, de part et d'autre. Ceci étant... On a deux confinements, deux expériences qui ont été validées par le passé, où les producteurs et les consommateurs qui ont peur d'aller sur le marché et qui ne sont pas rassurés ne viennent pas. Mais on a bien vu que progressivement, avec une organisation adéquate, telle que nous l'avons mise, mais aussi la mairie de Nouméa, pour citer que la zone sud, a mis en place des procédures pour garantir un écoulement, une circulation, les gestes barrières, la distanciation sociale. Et nous, on met tous les moyens qu'on a en notre possession pour pouvoir permettre d'assurer cette sécurité. Donc, en plus, ce sont des sites en plein air qui sont parfaitement adaptés. Et en fait, la réalité, c'est que ça permet d'alimenter une partie de la population sur des produits frais locaux. En gérant les risques sanitaires, alors que sinon, on voit bien les producteurs, on a plein d'exemples, des gens qui se débrouillent par eux-mêmes, qui se mettent en bord de route, qui font du porte-à-porte, et cette situation-là n'est pas forcément idéale. Alors, pour terminer rapidement, quelle est la situation des pêcheurs ? Alors, les pêcheurs, c'est encore, j'avoue que c'est encore probablement aussi délicat, voire plus délicat que les agriculteurs, puisque la principale zone de vente directe, en tout cas, c'est le marché de Moselle. Le marché est fermé. Et c'est vrai qu'au nom des pêcheurs, nous, il nous semblerait pertinent de rouvrir Moselle avec, bien sûr, alors c'est pas nous qui le gérons, c'est la mairie de Nouméa, bien sûr. Ça peut pas se faire sans son accord, évidemment. Mais clairement, les pêcheurs, le poisson, c'est un produit périssable par nature. Et c'est bien dommage de ne pas pouvoir consommer du poisson de façon plus facile durant cette période. Alors pour terminer, réellement, si vous avez un mot à dire ce soir aux travailleurs du secteur, ce serait quoi ? Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on encourage les agriculteurs, évidemment, dans cette période difficile, qui sont au service des Calédoniens, pour produire des produits frais, pour alimenter la population. Et puis, ce que je peux leur dire aussi, un dernier message, j'en ai pas parlé, mais on a mis en place une plateforme de mise en relation des producteurs et des consommateurs professionnels particuliers, qui s'appelle Produits frais agriculture.nc, ce qui permet de mettre en relation les différents producteurs. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de différentes de vos organisations professionnelles, de la Chambre et de tous les acteurs institutionnels pour faire remonter vos problèmes. Et on essaiera de vous accompagner au mieux, bien évidemment. Yannick Couette, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Chez nos frères de la Polynésie, la situation est dramatique. Le nombre de morts liés à la Covid augmente. La morgue de l'hôpital connaît depuis quelques semaines une cadence soutenue avec l'arrivée du variant Delta. Si du côté matériel, la direction de l'hôpital affirme pouvoir tenir la cadence, du côté des agents, l'état de fatigue et de charge mentale commence à se faire sentir. Un reportage de Nicolas Pérez et Esther Paraouk-Cordette, nos confrères de Ten TV. Malgré la difficulté de leur métier, ils travaillent en toute discrétion.
Installés au premier sous-sol du CHPF, les agents de chambre mortuaire sont depuis des semaines sollicités 24 heures sur 24 pour réceptionner la vague de patients ayant succombé à la Covid, mais également aux autres pathologies inhérentes à tout centre hospitalier. Passant de 6 à une vingtaine d'agents pour absorber la cadence infernale, ils ont dû, sur la seule journée de mercredi, s'occuper de 21 défunts, dont 20 étaient infectés par le variant Delta. Avec la fatigue et le stress permanent, s'ajoutent des protocoles sanitaires drastiques permettant de prévenir toute contamination. Un rythme infernal additionné au risque viral qui impacte inéluctablement le moral de ces agents. Depuis 8 ans que je suis d'astreinte à la morgue, je n'ai pas vu défiler en aucun cas 192 défunts. C'est très dur psychologiquement. Très dur. On essaie de garder le moral des agents. Mais bon, on essaye. Avec 600 morts en moyenne chaque année, le CHPF a donc atteint en seulement un mois le tiers de son rythme annuel. Une situation qui a motivé l'aménagement d'une pièce de stockage de cercueils et de 3 containers frigorifiques pour anticiper le flux quotidien. Une charge mentale supplémentaire pour ces agents qui, en plus de leur labeur, doivent en parallèle expliquer aux familles en deuil les protocoles en vigueur. Dans certains cas, les familles, si elles n'ont pas pu voir le défunt juste avant le décès, on peut leur exposer, c'est-à-dire on retire le couvercle, on présente la figure dans une cloche spéciale qui permet de voir, mais sans risque de contamination. On ne peut pas, compte tenu de l'afflux de familles en ce moment, répéter ça et étendre ça pendant des durées prolongées. Donc c'est 10 minutes une personne sur rendez-vous juste avant la mise en bière définitive. C'est comme ça que ça se passe. Une réalité brute et cruelle que ces Polynésiens absorbent avec dignité et professionnalisme. Une réalité qui balaye d'un revers de main les rumeurs révisionnistes des réseaux sociaux mettant en doute la véracité de cette pandémie. Et pour refermer cette édition, je vous propose d'écouter l'hymne américain interprété par une chorale de New York autour du drapeau américain déchiré retrouvé sur le World Trade Center en 2001, un chant entonné lors de la commémoration du 11 septembre pour les 3000 victimes de l'attentat des Tours Jumelles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale. 300 nouveaux cas depuis hier, donc 565 cas au total depuis lundi, dont 6 personnes en réanimation et 50 personnes hospitalisées à la cellule Covid du CHT, tel que le gouvernement a décidé de restreindre le nombre de commerces en service pendant le confinement. Voilà, bonne soirée en notre compagnie.